Tu dis, c'est un gars qui a le propriétaire des Lofts Moreau, c'est un gars qui a collecté de l'argent. Il collectait juste l'argent. Mais puis il ne faisait pas de réparation. Mais l'autre bord, c'est pas pareil. Il investit pas énormément. Vous les connaissez, vous êtes leur voisin immédiat, là, sur le balcon. Les voisins, moi, je les connais. Non, mais les gars, l'autre bord, là, ils ont réparé les contracteurs. L'autre est venu, il a loué les loins, puis il les a pas payés. Puis il veut les emmener à cour. C'est des Québécois, ils veulent les emmener à cause. Ah, ça aussi, là, ça c'est des lafs, ça aussi. Oui. Puis il faut-tu qu'ils ferment eux autres aussi? Non, mais le gars, ils veulent l'emmener à cause. Ah, ils veulent l'emmener à cause. Il faut deux contracteurs. Ils ont fait des réparations, puis ils n'ont pas payé, puis il y a deux qui étaient dans le chemin. Ah. Il n'y avait pas de doigt, tu vois. Il était loué pareil. Je sais pas. Mais étais-tu de bonne. Ça faisait-tu du bruit ici? C'était-tu correct, là, la vie ici, pendant que ces gens-là sont là? Oui, il y avait juste là avant qu'ils jouaient à toute la nuit de la maison. Ah, mais ça, c'est pas le loft, ça. Ben, c'était lui pareil. Ah, c'était lui pareil, mon Dieu, il possède tout, lui. Le bloc, tu sais, c'est votre propriétaire, finalement. Oh, ah, ben, t'as. Ben, ouais. Il met pas une scène ici, là. C'est insalubre ici. Mon Dieu. C'est insalubre, il y a des mulots dans le sous-sol. Allô? C'est sur la terre, il y a des mulots. C'est insalubre, les moyens. OK. Oui. Puis il y a quelqu'un qui vit là? C'est dégueulasse, on n'a rien à voir. Hey, quand je suis arrivé ici, là... C'est pas bon, les locataires qui vivent ici, c'est pas bon de la morale. Les souris, là, c'était comme des fourmis. Ouais. C'était plein d'encours partout, t'as dit? C'était plein partout. Puis à force... Hey, le gars à côté, là, je me souviens, il y avait des trappes, là. Il pognait. Il rentrait dans la maison, il y avait deux trappes. Il y avait toujours... Il rentrait, il pognait la souris, il achetait dans la poubelle, il revenait avec. Il prenait d'autres trappes. Je viens d'acheter une coupe de chat. Il y avait sa chatte après, là. Bon, il s'en vient ici, il revient. Mais voyez insalubre. Voyez insalubre, hein? Mais ici, là, Scoopy, là. La vermine. Il a pogné sa blonde, il l'a lancé sur le lavabo dans la chambre de bain pour la sauter. Pas d'eau, le monsieur, pas d'eau pour prendre sa douche, pas d'eau pour se laver dans la salle de bain. Non, parce qu'il a cassé le tuyau. Il n'y a rien. Le plancher n'est même pas fini. Non, il y a des trous. Quand ils ont fait la plomberie, ils ont fait par des trous en haut. Un nez à feu. Là, c'est lui qui était. Le bloc à côté, c'est des beaux plafonds, c'est 18 pieds. C'est solide. La structure est solide. Mais moi, je considère que le propriétaire, il a encaissé l'argent, mais il n'a pas investi. Il n'a pas le retour de l'argent. Il ne donne pas de reçu. Il ne va pas signer de bail. Mais on est toute la gang. Quand on dit toute la gang qui ne donne pas de reçu, on est assis, tout le monde qui est là. Il y a 125 qui ont mis dehors, là. 125, là. Vous trouvez ça triste? Ouais, c'est eux autres. C'est ambitionnel. Les autorités, ils connaissent ça. Ils sont au courant de ça. Quand ils ont fait la descente là, pour le gars qui faisait du pot, ils ont tous mis ça dans la rue ici. Tous les gars qui faisaient eux autres mêmes les affaires. En réalité, c'est tout illégal parce que c'est tous des gars comme moi et toi, on n'a pas de licence de contracteur pour faire ça. Si tu n'as pas une licence de maître électricien, tu ne peux pas poser de fil. C'est déplorable parce que moi, j'ai un ami qui reste sur Bourbonnière et propriétaire d'un triplex. J'ai fait les rénovations de la galerie, la soudure, soudeur de métier. Elle entretient le niveau. C'est un triplex avec les locataires, ils ne payent pas des loyers. Ils doivent 5 mois de loyer. Chaque locataire a fait des rénovations. J'ai fait. Mais ici, le propriétaire, il encaisse l'argent. Point final. Il y a une tendance à. Ils veulent faire des condos aussi. Ils ne veulent pas investir, ils ne sont pas intéressés. Bon, ben merci de ce témoignage très vibrant et... Ils ont fermé des plus proches d'Allemagne. Moi, j'ai mis le bateau. Je suis à Sainte-Catherine, là. Je sortais ça. Le bateau, je mettais ça. Les gars mettaient ça sur les trains, ça s'en allait en Floride.
frère, un condo, tu vas en Floride, ils vont te donner. Pour la toute les rentes, parce que tu vas en faire payer les taxes. Parce qu'ils aiment ça. C'est un avantage. Ah, bon. Bien, ok les amis, merci beaucoup. À la prochaine.